On vous souhaite la bienvenue à ÉricLatour.com. Dans quelques instants, on parle de la Maison des jeunes Le Dôme, qui lance des soirées d'humour. D'ailleurs, il y en a une qui commence ce vendredi. La Maison des jeunes Le Dôme, depuis une quinzaine d'années maintenant, est située au 4 de la place du marché, dans le Vieux-Saint-Jean. Et il y a d'ailleurs un des anciens jeunes qui fréquentait la maison il y a quelques années, c'est Dieu l'Éveillé, qui est l'organisateur de cette soirée. Il sera accompagné de Jean-François Pomerleau. On les reçoit dans quelques instants. Mais d'abord, parlons des boisés, parlons de la protection des boisés, protection des milieux naturels, avec le directeur de l'urbanisme, Luc Castonguay. Le maintien ou non des boisés fait partie des enjeux très, très, très importants au cœur de la politique municipale joannaise. Ça l'est depuis 10 ans, ça l'est encore plus depuis 5 ans, puis ça l'est probablement encore plus depuis 1 an, avant même la précédente élection. Il y a un nouveau conseil, ça faisait partie d'ailleurs des engagements de différents partis politiques. Maintenant, la Ville lance une vaste consultation. Pour nous parler un peu de tout ce déroulement, le directeur du service de l'urbanisme, Luc Castonguay. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On l'a senti notamment dans les derniers projets. On sent que, évidemment, il y a eu l'enjeu du boisé Douglas, où il y a eu un débat politique. Et finalement, le conseil de ville a décidé d'aller de l'avant. Là, il y a eu le boisé des colibris. Et là, il y a d'autres boisés. Il y a le plan de conservation également qui a fait l'objet de différentes nouvelles durant le précédent mandat. Et là, on a senti qu'au début du nouveau mandat, du nouveau conseil, il y avait un autre projet dans le boisé Fortier où là, vraiment, le drapeau s'est agité. Quel est le mandat que la Ville vous a confié à l'égard de la consultation pour la protection des boisés? Bien, en fait, effectivement, depuis mai 2009, moment d'adoption du plan de conservation des milieux naturels, depuis ce temps-là, la municipalité pensait avoir un peu statué sur l'avenir des boisés en identifiant, je vous dirais, environ 70% des boisés présents en zone blanche. On parle bien sûr, là, quand on parle des boisés, l'exercice vise vraiment là, la consultation des gens sur les boisés qui sont susceptibles d'être développés, donc sur lesquels il y a des pressions de développement. Donc, depuis 2009, à chaque fois qu'on arrivait avec un projet de développement qui était dans un boisé non visé par le plan de conservation, il y avait un débat qui se relançait un peu à chaque fois, à savoir, devrait-on le protéger, devrait-on pouvoir le développer? Évidemment, souvent les riverains se mobilisaient pour dire, bon, ben, nous, on veut conserver notre boisé, c'est une plus-value pour notre quartier, les mouvements écologiques, un peu tout le monde se mêlait de la partie là-dedans. Donc, le conseil a décidé, bon, mettons un stop à tout ça, moratoire, et allons en consultation, allons vraiment sonder les gens, les groupes d'intérêt, les principaux intéressés. Puis après ça, prenons une décision pour l'avenir, une fois pour toutes, là, de ces boisés-là. Parce que dans le fond, il y a deux idéologies qui s'affrontent. Il y a l'idéologie qui veut qu'il faut développer, il faut que la ville, évidemment, qu'il y ait un certain accroissement au niveau des revenus. Il y a des terrains qui sont encore zonés blancs qui pourraient, demain matin, être construits. Il y a l'autre côté des gens qui disent non, là, on s'est beaucoup développé, il faut commencer à se ralentir un peu, il faut protéger ce qui nous reste. Donc, il y a comme deux courants de pensée qui s'affrontent. Je reviens à l'exemple du boisé Fortier et de l'autre boisé qui est dans le parti de Saint-Luc, là, la rue des Artisans. Boisé des Artisans. Boisé des Artisans. Ça m'a beaucoup frappé, ce dossier-là, l'automne dernier, puis même le printemps dernier, je devrais dire. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui ont acheté des terrains il y a 5, 10, 15 ans dans l'objectif de les bâtir. Mais en même temps, il y a du monde qui ont acheté des maisons dans ce boisé-là puis qui se sont fait dire par on ne sait pas trop qui, « Ah, vous n'allez pas vous énerver, il n'y a jamais personne qui va se bâtir ici. » Et là, bouf, il arrive un projet, et là, les gens montent aux barricades, disent « Bien là, ma maison va perdre en valeur. Moi, j'ai toujours eu un boisé en arrière de chez nous. » Puis en même temps, les terrains sont pourtant zonés et pourraient permettre la construction. Donc, c'est là où on se retrouve avec des décisions qui ont été prises il y a 10, 15, 20 ans, des gens qui ont acheté des terrains dans l'objectif de les développer. Puis là, on leur dit, bien là, attendez, ça se peut finalement qu'on change les règles du jeu. C'est ça un peu qui s'affronte, là. Tout à fait. Puis je vous dirais même ça remonte à même plus loin que ça. Les gens, souvent, c'est des lotissements qui ont été faits dans le temps de l'Expo, dans le temps dans les années 60. Donc, les terrains avaient été subdivisés par des propriétaires terriens qui avaient fait des centaines de lots sur leur terre. Puis, étrangement, ou c'est peut-être pas un hasard, là, ces terrains-là n'ont pas encore été développés parce qu'il y avait justement des contraintes, parce qu'il y avait soit des milieux humides, parce qu'il y avait beaucoup de propriétaires individuels dans ces secteurs-là. Donc, ça a fait que ça a ralenti la vitesse à laquelle ces terrains-là ont pu se développer. Puis, il y en a qui sont propriétaires de ces terrains-là depuis 50 ans, 60 ans, qui ont légué ça à leurs enfants.
qui, là, aujourd'hui, espéraient effectivement les développer, voire ouvrir des rues dans ce secteur-là. Puis là, bien, c'est là que les gens sont manifestés en disant, bon, nous, ce boisé-là, on y tient, on veut le garder. Mais la réalité, sans vouloir toujours opposer le volet économique au volet environnemental, il reste qu'il y a une réalité, c'est qu'il y a des propriétaires de ces terrains-là qui ont acheté ça en toute bonne foi pour pouvoir les construire éventuellement. Puis aujourd'hui, on viendrait leur dire, bon, bien, bon, on préfère garder le boisé. C'est ça la grande question. Donc, c'est l'enjeu, là, le débat est autour de ça. Si moi, j'ai hérité d'un terrain acheté par mon père il y a 50 ans, puis qu'en principe, la valeur de ce terrain-là est une valeur de terrain à construire, c'est pas du tout la même chose si la ville me dit demain matin, finalement, tu peux plus construire, puis ça va être des arbres. Évidemment, là, évidemment. Nous, actuellement… Il y a un préjudice qui est subi par le propriétaire. Là. Quand on a fait le plan de conservation en 2009, il y en a des portions de territoire qui étaient sous cette nature-là, là, c'est-à-dire un mode de teneur par plusieurs propriétaires différents. Et c'est pour ça qu'on est venu identifier, dans notre plan de conservation, qui visait à peu près 31 millions de pieds carrés sur le territoire, ouais. De ce 31 millions de pieds carrés-là, il y en a à peu près 18-19 millions de pieds carrés qu'on a dit, bon, bien, ça appartient à des gens qui étaient voués au développement. On veut les compenser financièrement. Donc, la Ville a démarré un processus d'acquisition de ces terrains-là pour à la fois devenir propriétaire des terrains pour protéger boisé et aussi compenser ces gens-là. Puis, il y en a une partie qu'on est venu faire de la réglementation purement et simplement. Donc, souvent, les gens ou l'argument qui sort en disant, vous n'êtes pas obligé de tout acheter. Ouais. C'est vrai, on n'est pas obligé de tout acheter. Il y a des portions qu'on peut réglementer. Il y en a d'autres qu'on devrait acquérir. Quand on regarde l'ensemble du territoire de la ville, c'est quoi? C'est 7 % de boisé pour tout le territoire de la ville? Actuellement, la ville, si on parle de milieu naturel, moi, j'aime mieux parler de milieu naturel parce que c'est un peu plus large que ça. Ça inclut des milieux humides, ça inclut des rivières même. Tu sais, si on parle de milieu naturel, c'est à peu près on parle de 10,8 % exactement de notre territoire qu'on peut considérer comme étant des milieux naturels. Okay. Ça inclut la rivière, ça inclut les boisés en zone blanche et ça inclut aussi les milieux naturels en zone agricole. De ce 10 % quelle est la portion incluse visée par le plan de conservation? De ce 10 %-là, là, on parle de l'ensemble du territoire. Il faut toujours se rappeler, notre territoire, c'est 74 % agricole. Hein. Donc, il y a une forte superficie, une forte proportion de notre territoire qui voit l'agriculture. Là-dedans, il y a quand même une bonne portion de boisés aussi. Ceux-là, on les a mis de côté en disant on les gère déjà, puis les boisés sont déjà protégés par un outil qui est via le schéma d'aménagement de la MRC et de la ville. L'enjeu était vraiment lié aux boisés en zone blanche. Donc, si on parle de tout ce qui était milieu naturel en zone blanche, avec le plan de conservation, on est venu protéger environ 70 % des milieux naturels qu'on avait en zone blanche. Et qu'est-ce qui arrive du 30 % restant? C'est ce qui fait l'objet du débat et de la consultation qui va avoir lieu dans les prochains mois. Là, on parle d'abord d'une enquête auprès des propriétaires des boisés à l'automne 2014. Donc, ça, c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment? D'ici Noël, dans le fond, il y a une portion du sondage ou de l'enquête qui va être faite dans la démarche de consultation via deux volets. Un premier qui va être effectivement enquête auprès des propriétaires directement concernés, donc les gens qui ont un terrain situé dans un boisé. Donc, ces gens-là vont être sondés, savoir c'est quoi leur intérêt, qu'est-ce qu'ils avaient l'intention de faire avec leur terrain. Connaissent-ils le plan de conservation? Savent-ils qu'ils font l'objet du débat en tant que tel? Donc ça, c'est de poser un peu ces questions-là, puis de connaître un peu leur opinion, puis ce qu'ils voulaient faire avec leur terrain. Puis le deuxième volet va être celui d'espèce de focus group. Donc, on va rencontrer des groupes d'intérêt pour discuter avec eux les différentes avenues, comment ils voient ça. Au niveau de la conservation, c'est quoi les approches qui ont été faites dans d'autres milieux. Donc, autant les gens du milieu économique que du milieu environnemental, tout à fait. Il va y avoir trois groupes. Un premier groupe qui va être les gens, on les rencontre d'ailleurs prochainement, les gens du milieu environnemental, donc qui tournent autour de ça. On a invité les gens du Covabar, les gens du mouvement écologique, les gens de CIM ou Richelieu, donc les organismes là, qui gravitent, Canard illimité, entre autres aussi. Donc, c'est des gens qu'on a invités pour avoir leur input un peu au niveau tout ce qui est les approches environnementales, puis comprendre aussi c'est quoi leur position et leurs arguments. Après ça, dans les groupes d'intérêt, les promoteurs. Donc, évidemment, les promoteurs qui sont directement concernés, qui, eux, veulent développer dans ces boisés-là. Donc, connaître leur opinion aussi. Puis le dernier groupe, ça va être les gens du développement économique. Donc, les chambres de commerce, les conseils économiques, les regroupements de gens d'affaires. Donc, pour avoir aussi leur input sur cette approche-là. Puis après ça, pour consolider tout ça, ramasser toute l'info, toute l'information qui va sortir de ça et amener ça au conseil municipal pour prendre une première orientation. Ah oui, déjà?
Oui, ouais, on veut, dans le fond, amener le conseil à se faire une petite tête, amener à regarder quelques solutions, quelles stratégies de conservation on pourrait mettre en place. Puis après ça, vraiment, l'exercice de consultation du début janvier jusqu'au mois de mars va être vraiment sur la stratégie finale à adopter. Bon, début 2015, donc rencontre locale avec les citoyens concernés, ça veut dire quoi? Ça veut dire les gens qui sont dans les secteurs environnants, les boisés, les différents boisés. Actuellement, là, dans la consultation, il y a environ une dizaine de boisés qui sont de plus grande superficie, sur lesquels les enjeux sont vraiment là. Il y a une série de petits boisés à gauche et à droite qu'on ajoute dans la consultation, qui vont faire partie de la réflexion, qui, eux, sont répartis un peu partout sur le territoire. Mais les gros enjeux concernent les gros boisés, comme vous parliez tantôt, boisés fortiers, boisés du secteur de la rue des Artisans, boisés de la route 104, qu'on a entendu parler aussi dans le secteur l'Acadie, Chantier, tout ça. Donc, c'est des exemples là, de boisés sur lesquels on va inviter les riverains. Pas juste les gens qui sont directement adjacents au secteur, mais vraiment les gens qui demeurent dans ce quartier-là pour venir nous donner un peu c'est quoi l'apport de ce boisé-là puis qu'est-ce que les gens verraient. Là, vous sollicitez des commentaires en ligne sur le site www.consultationboisé.ca. Exactement. Donc, vous voulez que les gens vous envoient des commentaires là-dessus? Bien, c'est sûr que nous, on va directement inviter, comme on disait tantôt, les gens qui sont en bordure de ces boisés-là. Ouais. On va rencontrer les groupes d'intérêt. On veut aussi offrir la possibilité aux gens de s'exprimer en ligne, parce que c'est pas tout le monde non plus qui va être à l'aise de venir en public. Parce qu'il y a aussi, au final, il y a deux autres étapes. Là. Entre autres, il y a l'Assemblée publique de consultation qui va être la grande messe, si on veut. On va inviter tout le monde à venir s'exprimer. C'est pas tout le monde qui est toujours à l'aise de s'exprimer en public. Donc, on veut offrir aussi une plateforme en ligne. Mais vous faites également un sondage d'opinion avec 1000 répondants. Ça va être la dernière étape également qui va se faire ce printemps. Donc, aller voir un peu le commun des mortels aussi, les Joannais, les gens qui… Ce que le monde en pense. Ce que le monde en pense, les gens qui sont plus ou moins impliqués là, dans le dossier, qu'on ne voit pas à tous les semaines à la séance du conseil municipal. Là. Donc, le citoyen ordinaire, si on peut dire, là, qui s'intéresse quand même à ce qui se passe dans sa ville, puis qui finalement aussi paye les comptes de taxes. Et là, on parle d'une prise de décision en avril. Autrement dit, en avril, une fois que le conseil municipal aurait eu l'éclairage souhaité par la consultation, qu'est-ce que le conseil devra décider en avril? Ce qu'on souhaite, on souhaite amener le conseil à faire une réflexion sur, oui, l'avenir des boisés à l'intérieur du périmètre urbain de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais aussi tout le développement de notre ville. Donc, parce qu'il faut penser que si on parle de boisés, sans vouloir nécessairement opposer ça au développement, je pense qu'il y a une plus-value de garder des boisés, évidemment, aussi. Donc, on veut que le conseil statue sur l'avenir de l'ensemble de ces boisés-là qui seront visés par la consultation. D'ailleurs, sur le site en ligne, là, il va y avoir une carte de disponible que les gens peuvent aller consulter puis aller voir c'est quels boisés qui sont visés. Et dans le fond, on veut que le conseil municipal prenne aussi une orientation sur tout ce qui reste à développer sur notre territoire. Donc, quelle approche qu'on va avoir, quel secteur on priorise en premier aussi pour regarder au niveau de l'urbanisation de notre territoire, comment on le fait. Donc, on veut que le conseil en profite de cet exercice-là pour élargir leur horizon, puis vraiment prendre une décision pour l'avenir du développement de notre ville. Luc Castonguay, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne consultation. Merci. Reste avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de soirées d'humour organisées à la Maison des jeunes, le Dôme. Dans le confort de votre foyer. Télé-bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses bêta, version 3.0, de retour cet automne. Ce vendredi 21 novembre à la Maison des jeunes Le Dôme, au 4 de la rue Place du Marché à Saint-Jean-sur-Richelieu. Soirée d'humour et il semble bien qu'il y aura probablement aussi d'autres soirées en cours d'année. Deux invités pour en parler. D'abord, le coordonnateur de la maison, Jean-François Pomerleau. Bonsoir. Bonsoir. De même que C'est Dieu l'éveillé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ça a parti comment, ce projet-là?
Bien, c'est des projets commencent à part souvent à la maison des jeunes. C'est par le contact. Hein? C'est des jeunes qui rencontrent des intervenants. C'est Dieu, il va l'exprimer plus profondément tantôt. Mais c'est Dieu, c'est un ancien jeune de la maison des jeunes aussi qui a travaillé aussi dans un organisme communautaire qui est Justice Alternative, qu'on travaille en partenariat aussi. Fait que c'est Dieu, bien, c'est un passionné du monde du spectacle. Puis c'est un peu par l'intervention puis par les contacts qu'il y a eu une idée. Puis c'est ça qu'il va nous exprimer. Bon, explique-nous donc ça. Donc, qu'est-ce que tu connais du domaine du spectacle et comment as-tu eu l'idée de lier ça à la Maison des jeunes, le Dôme? Bien, au fait, pour ce qui est de l'humour, j'ai toujours voulu faire de l'humour depuis que je suis petit. Dès l'âge de 8 ans, je savais quand on me demandait « c'est quoi tu veux faire dans la vie? » Moi, je disais « aider des gens ou faire rire des gens ». Aujourd'hui, je fais les deux. Comme Jean-François Perrin-Leloup disait juste à côté, au fait, je suis éducateur spécialisé de profession, mais je suis aussi humoriste. J'ai choisi de faire ça, oui, j'ai choisi de faire ça pour m'auto-financer, si on veut, dans le sens que j'avais beaucoup d'amis qui se lançaient dans l'humour à mon âge, bien, à 18 ans, il y a 3 ans. Puis quand j'ai vu leur situation financière précaire, comment c'est difficile, moi, je me suis dit, je vais aller à l'école, je vais étudier, puis par la suite, je vais être capable de m'auto-financer. J'ai eu cette idée-là, comme Jean-François disait, c'est que, dans le fond, les soirées d'humour... Au fait, j'ai présenté les soirées d'humour à Jean-François parce que je sais que la Maison des jeunes, le Dôme, accueille beaucoup de soirées comme ça. Il accueille beaucoup de choses, des spectacles de rap, des spectacles d'humour, des shows rock. Puis moi, au fait, j'œuvre dans le milieu de l'humour depuis maintenant 3 ans. Et je vous cacherai pas que... Moi, c'est l'idée un peu du show business. Je suis pas vraiment d'accord, là. Je veux pas en juger, mais au fait, comment ça fonctionne? On fait jouer un ami, d'un ami, d'un ami, d'un ami, d'un ami. Et moi, j'avais pas le goût de rentrer là-dedans. Parce que je suis vraiment quelqu'un d'humble, je suis vraiment quelqu'un d'authentique, de respectueux avec tout le monde. Je voulais vraiment donner la chance à tout le monde de pouvoir se faire valoir. Mais visiblement, t'as un petit côté rationnel. Parce que souvent, quand les gens voulaient faire de la chanson ou de l'humour, des fois, les gens de l'entourage disaient « Trouve-toi une vraie job, puis après ça, t'iras chanter dans les bars. » Tu sais, c'est un peu le même principe. Toi, tu as eu quand même la sagesse, donc, de poursuivre ton instruction pour avoir ton métier dans la vie, qui est éducateur spécialisé. Mais ça ne t'empêche pas de continuer ta passion, qui est l'humour. Qui est l'humour. Moi, je vous dirais que j'aime l'éducation spécialisée à 199%, l'humour à 200%. Qui est quand même un bon ratio, tout de même. Je dis pas qu'un jour... Tu nous pétais le feu, parce que là, t'es proche de 400%, là. Je dis pas qu'un jour, je lâcherai pas l'humour. Ouais. Je dirais pas qu'un jour, je lâcherai pas l'éducation spécialisée ou je lâcherai pas l'humour, peu importe. Mais mon but, c'est vraiment d'aller plus loin. Hein. La Maison des jeunes de Dôme, ça existe depuis combien de temps? Écoute, depuis 1981, c'est une vieille histoire. Hein. La Maison des jeunes, c'est 30 ans, là, plus de 30 ans d'histoire. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est toujours la relation qu'on développe avec les jeunes. Puis qu'est-ce qui est le fun avec ces dieux, c'est qu'ils vont impliquer les jeunes à tous les niveaux de l'organisation. Autant qu'on va avoir une cantine, que quelqu'un va être à l'audio, au niveau de l'éclairage, parce qu'on a une belle petite salle de spectacle vraiment intéressante dans les dimensions. Puis on sent toujours que quand il y a 80-85 personnes, là, c'est super le fun parce qu'on sent une belle ambiance chaude, puis ça va super bien, puis... Notre voisinage est content aussi. C'est vraiment intéressant parce qu'on a développé sur Place du Marché un bon lien. Depuis 2 ans, là, en tout cas, c'est vraiment... Combien de temps que vous êtes là, sur Place du Marché? C'est depuis les années 2000, à peu près. Quand même, OK. Une dizaine d'années. Oui, exactement. Ouais. Puis récemment, on a fait le quartier éphémère, là, puis on a fait une 60aine de visites guidées. Puis il y a une belle dynamique qui s'améliore beaucoup sur Place du Marché. Et c'est quoi votre clientèle? Vous avez combien de jeunes par année qui viennent dans vos activités? On a près de 200 jeunes environ. Il peut passer une soirée à Maison des jeunes, c'est entre 8 et 25 jeunes, ça peut être 40, ça dépend des soirées. Mais par contre, c'est parce qu'on a deux niveaux. On a augmenté de 3000 pieds carrés un peu la dimension, tout le sous-sol. Il y a 8 plateaux d'animation, 2 salles d'exposition photo, on a une radio web, on a une petite télévision un peu communautaire, là, mais d'interview. Mm-hmm. Là, on a une salle d'enregistrement qui est semi-professionnelle. On fait des projets aussi avec l'école Marguerite Bourgeois puis le groupe Sivas. On a une salle de karaté, évidemment, la salle de spectacle, puis une salle de montage vidéo. Fait que ça va super bien, c'est des plateaux, puis une petite salle de pratique de musique, d'initiation. Fait que des fois, on descend avec les jeunes dans les soirées, ça. Qu'est-ce qui nous manque un peu, des fois, c'est les ressources humaines pour combler tous les besoins. Ouais. Mais c'est vraiment une belle expansion.
Bon, Jean-François disait en début d'entrevue que toi-même, tu as fréquenté la Maison des oui, jeunes. Oui, j'ai fréquenté la Maison des jeunes. Et moi, je ne cache rien dans ma vie. Je ne serais pas ici aujourd'hui, je n'aurais pas fréquenté la Maison des jeunes. Pourquoi? Puis je ne serais pas au fait, parce que la Maison des jeunes, ça crée un lien d'attachement avec les jeunes. De pourquoi je veux impliquer les jeunes dans ce projet-là, c'est le lien d'attachement, parce que j'étais un jeune éclaté, étiqueté TDAH avec impulsivité, qui veut dire trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, celui qu'on ne veut pas avoir dans la classe, celui qu'on met à l'extérieur de la classe, celui qu'on envoie voir le psychologue, celui qu'on envoie voir l'orthopédagogue. Là, je comprends ton calcul celui... de 400 %. Celui qu'on ouais. On le veut partout, sauf avec nous. On ah, le veut ouais. avec les spécialistes. Fait que je trouve important, c'est le lien d'attachement que la Maison des jeunes crée. Et la Maison des jeunes, ça a changé quoi dans ta vie? Ça a changé que j'ai rencontré des intervenants qui étaient des travailleurs de rue. Moi, je me souviens, je traînais dans un parc. Je faisais des activités de traînage de parc d'adolescents. Puis même, je n'étais pas encore adolescent, j'avais 11 ans. Et il y avait des gens, deux personnes, Philippe, je ne connais pas son nom de famille, et Stéphane, qui travaillait à la Maison des jeunes, qui est venu jouer au hacky-sack avec moi. Juste pour moi, comment un adulte s'intéresse à moi. Toute ma vie, si on veut, quand j'étais plus jeune, ça a été incroyable. Là, est-ce que je sens que tu veux un peu comme... redonner un peu ce que tu as eu, c'est ça? C'est exactement pour ça que je suis allé à l'éducation spécialisée. Les professeurs au Cégep du Montréal m'avaient fortement déconseillé au début, mais après ça, quand ils ont compris vraiment l'optique de vraiment... C'était pas pour me sauver moi-même. J'étais déjà sauvé, on m'a sauvé. J'ai eu la chance de rencontrer des intervenants qui ont été placés sur mon chemin, des personnes incroyables. Je pourrais en citer plein. J'ai eu la chance de rencontrer Jean-François Pomerleau, Michel Lemaire, Pascal Turgeon, Sophie Courtemanche. J'ai eu la chance de rencontrer Mme Monique Boisclair, des gens... qui ont vraiment agi comme moi, comme des, moi je dis des maîtres, qui ouais. veillent sur moi et que je peux aller leur demander des conseils. Puis c'est Dieu, la façon qu'ils rentrent en contact avec les jeunes, c'est comme ça. Hein. C'est pour ça qu'ils ont embarqué les jeunes à l'intérieur de son organisation. Puis il est parti dans une série de spectacles, les jeunes embarquent, veulent le suivre. Il va devenir immédiatement un modèle ouais. pour s'exposer hein, devant d'autres mondes. C'est quand même toujours un défi, hein, s'exposer. Et là, les soirées d'humour, prenons celle qui s'en vient vendredi. Oui. C'est qui tes invités, ton maître de cérémonie? Mais ça va être quoi, les monologues? C'est ça qui est important. Le maître de cérémonie, c'est moi-même, au fait. Ça fait très prétentieux, puis je suis zéro prétentieux. Mais le maître de cérémonie, c'est moi-même. Mais dans le fond, moi, c'est vraiment le collectif, comme dirait Michel Lemaire, comme diraient les gens sur qui je m'appuie, les gens, je les appelle comme ça. Ça va être humoriste François-Luc Saint-Gelais, Jean-Michel Illy, Alexandre Meunier, Alex Gosselin. Il va avoir une surprise, Jonathan Rivet, un improvisateur incroyable hors pair. Et aussi, comme vous pouvez voir dans l'article du journal, je relance aussi d'autres personnes. Moi, c'est vraiment le collectif. Je veux ramener un collectif dans un monde, dans une société qui est rendue individualiste. C'est vraiment le nous. C'est pour ça que ce projet-là peut fonctionner. C'est pour ça que Jean-François Pomerleau est à côté de moi. C'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. Si j'aurais dit, comme plusieurs auraient pu, c'est ma soirée à moi, je m'en fous, mais je ne prendrai pas une voix... Parce que c'est pas un show d'humour, là, mais je pourrais prendre ma voix de « c'est ma soirée à moi, je m'en fous, là ». Mais on fait comme si j'avais pas pris cette voix-là. Mais ce que je trouve important, c'est que c'est ça, c'est d'impliquer, c'est le « nous », le « nous ». Fait que j'implique Vincent Gilbert. C'est un peintre incroyable, un peintre, c'est phénoménal. On peut le voir dans le journal, Vincent Gilbert. J'implique Yannick Labbé, des personnes qui ont cru en moi, des personnes que, quand moi je leur parlais, quand j'étais plus jeune, des personnes qui ont agi comme figure d'attachement, si on veut, des personnes qui ont été comme des modèles. Je pense que c'est important de sortir de notre ouais. chaise d'égocentrisme. C'est gagnant-gagnant parce que, dans le fond, on fait découvrir, dans le fond, ça permet à des jeunes humoristes d'avoir un plateau pour se faire valoir et tout ça, se faire connaître, gagner de l'expérience. C'est l'accessibilité ouais. aussi que c'est Dieu et toute son équipe a envers les jeunes aussi. C'est toute cette relation-là qui se passe en Maison des jeunes. Des fois, on va voir un spectacle, mais on n'a pas accès nécessairement aux comédiens, peut-être un petit peu à la fin. Mais là, c'est très interactif et ça donne une expérience, un potentiel à chaque jeune. Puis on change leur journée parfois, puis ça fait son chemin. Toi, est-ce que tu as déjà tenté de vouloir rentrer à l'école de l'humour ou tu as pris un chemin alternatif? Bref, je vais en parler. Je suis vraiment... En tout cas, parce que moi, je sors de la traque. Je suis éducateur spécialisé, mais je suis ici. Tu sais, je veux dire, j'ai mes couleurs, on voit comment je t'habille, je m'habille comme ça à l'école. Moi, je m'en balance un peu, là, je veux dire, c'est ma couleur à moi. Oui, j'ai essayé d'aller à l'école de l'humour, j'ai fait les auditions. C'est là que j'ai compris le monde du show business. Au fait, j'ai fait la première audition, personne ne me connaissait. Moi, j'ai écrit le texte dans l'autobus avant d'aller à mon audition. J'ai écrit le texte dans l'autobus, je l'ai performé, j'ai eu ma réponse, j'ai été accepté pour la phase finale. Et c'est la phase finale que
J'ai découvert que ça me faisait un peu de peine d'œuvrer dans ce milieu-là. C'est la façon que les gens agissent avec toi. Comme il l'a dit, ouais. M. Jean-François, je suis accessible. Mais c'est des gens qui n'étaient pas accessibles. J'essayais de parler, aucune réponse. Puis finalement, la dernière étape, je ne l'ai pas passée. On me disait, va pratiquer ton matériel d'un bar, va faire tes choses. Je dis, moi, il n'y a pas de problème, mais si on comprendrait la vie à laquelle j'ai mené pour me rendre ici, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait que ce soit dit, mais qu'on n'a pas nécessairement le temps de dire. Les gens comprendraient que c'est rien pour moi. C'est une embûche qui paraît énorme, mais je vais juste la traverser en levant à peine le pied droit. À vous deux, merci beaucoup. Donc, longue vie à ces soirées d'humour à la Maison des jeunes Le Dôme, dont celle qui s'en vient vendredi. Donc, on a entendu, bien sûr, les différentes activités qui sont proposées. Donc, si vous avez des jeunes, c'est quoi l'âge moyen? C'est entre 13 et 15 ans. Donc, 13-15, c'est ça? Donc, 13-15, c'est le public cible. Mais c'est du 12-17, mais on a des jeunes qui sont impliqués jusqu'à 17 ans. Mais notre moyenne, c'est 14-15 ans. Là. Merci beaucoup à vous deux. Ça fait plaisir. Reste avec nous au retour le Babillard quotidien. Si vous cherchez des idées cadeaux pour le temps des fêtes, vous désirez donner des trucs qui viennent de la région, vous savez qu'ici, on a la boutique Le Terroir. C'est au 31 de la rue Frontenac, à l'Office du tourisme dans l'ancienne gare. Découvre-ta-région.com pour avoir l'information. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Également, tous les dimanches matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo, avec 3 500 $ en prix, dont la carte pleine à 2 000. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Et si vous désirez me joindre en cours de semaine, Éric Latour à commercial, tvhr9.com. À demain. Bye-bye.